C'est la première fois, depuis bientôt 30 ans, que Bernard Gâteau revient au domaine de la Cotentière. Au début des années 70, lui et son épouse étaient les gardiens de ce domaine Solognaud, l'une des propriétés françaises de Jean Bedel Bokassa, à l'époque président à vie de la République centrafricaine. Le temps a passé, mais les souvenirs de l'ancien gardien ressortent comme si c'était hier. L'un d'eux semble avoir particulièrement marqué le vieil homme, la visite privée du président de la République française, Valéry Giscard d'Estaing, à son homologue de la Centrafrique, le 4 septembre 1975. Et l'intérêt là ? Alors, vous vous souvenez bien de ce moment-là ? Oui, je m'en souviens pour la bonne raison que j'ai vu le président pour la première fois. C'était la première fois. J'étais content de le voir. Il a déjeuné là. Il a déjeuné là. Alors, c'est qui sur ces photos ? Alors ça, c'est le président Bokassa, président Giscard d'Estaing, son l'aide de camp de M. Giscard d'Estaing, M. Fouquet et ma femme. Et puis ma femme, bon, il est reparti peut-être 2 heures après. Aussitôt parti sur Paris. Une courte halte pendant laquelle les deux hommes vont s'entretenir en privé. De quoi vont-ils parler ? Politique étrangère ? Actualité ? Économie ? Ou diamant. L'objet de cette rencontre restera secret. Une visite d'autant plus mystérieuse que même les services de l'Élysée n'étaient pas au courant de la présence du chef de l'État français dans ce lieu. Et l'Élysée ne savait pas ? Non, où il était passé, non ? Mmh. Ils l'ont su plus tard. Les gendarmes qui cherchaient. Pourquoi ? Tout pour la bonne raison qu'il était. Il ne savait pas où il était. Enfin, c'était discret. Et voilà, ça s'est pas émeuté. Du reste, personne par ici ne savait. Comme semble prétendre Jean Bedel Bokassa dans cette interview exclusive réalisée 4 ans après sa chute en 1983 par les journalistes Jean-Claude Chusville, Claude Jaget et Lionel Chomara, ce n'était pas la première ni la dernière fois que le président Giscard d'Estaing rendait visite à son ami d'alors en Centrafrique ou dans l'une de ses propriétés françaises. Chaque année, il venait 2 fois. 2 fois par an. 2 fois par an. Et quand moi j'allais en France, il venait me trouver dans ma maison en France. Il partageait le repas avec moi. On discutait ensemble. Je mettais un appartement à sa disposition pour qu'il se repose après le repas. Mais c'était régulièrement. Jean Bedel Bokassa a possédé de nombreuses propriétés en France, en Suisse et en Belgique. Un château dans les Yvelines, à Hardricourt, des villas sur la Côte d'Azur, mais c'est sur la Sologne que Bokassa jeta réellement son dévolu. À cheval sur 3 départements, le Cher, le Loiret et le Loir-et-Cher, la Sologne s'étend sur près de 500 000 hectares de forêts, de landes et d'étangs. Cette région naturelle, Lové dans une boucle de la Loire, ne compte pas moins de 400 châteaux. Amateur de ruralité et de nature, Bokassa allait dès sa première visite tomber sous le charme de la région. Il y posséda jusqu'à 5 propriétés. Le château de Villemoran, à Nain-sur-Beuvron, le domaine de la Cotentière, à Selles-Saint-Denis, le restaurant Le Montauger, à Villefranche-sur-Cher, le Grand Chavanon, à Neuvy-sur-Barangeon, et le château de Bel Air, à Marais. Les propriétés de Bokassa en France ont été acquises en un temps record, de la fin des années 60 au milieu des années 70, et furent autant d'étapes pour la cour présidentielle puis impériale. Mais qui était réellement ce riche et honorable propriétaire terrien solognaud qui recevait la visite du plus grand personnage de l'État français, parfois en secret ? Jean Bedel Bokassa est né le 22 février 1922 à Bobangui, dans la région de la Lobaye, au sud-est de Lubangui-Chari, une colonie française,
la future République centrafricaine. Bokassa connut une enfance tourmentée. Il a 6 ans lorsque son père, qui proteste contre les méthodes brutales des sociétés concessionnaires coloniales, est assassiné par des miliciens français. Une semaine plus tard, sa mère, désespérée, se suicide, laissant orphelin 11 enfants. Élevé par sa famille, le jeune Jean Bedel fréquente les écoles des missionnaires qui souhaitent l'orienter vers la prêtrise. Mais pour cet impulsif à l'esprit guerrier, c'est peine perdue. Quand un garçon en Afrique à cette époque réussissait bien, il avait le choix entre deux carrières, soit il était curé, soit il était militaire. André Lemaignan, ancien officier de réserve, ami de Jean Bedel Bokassa, actuellement ambassadeur honoraire de la Centrafrique en France. Son oncle avait pensé l'envoyer chez les curés, et puis ça n'a pas marché. Il disait d'ailleurs, mais je ne savais pas si j'aurais fait un bon curé, donc ils l'ont mis dans l'armée. C'était l'armée française. Et il avait 18 ans, 19 ans quand la Deuxième Guerre mondiale a éclaté, et le général Leclerc était en Afrique pour ramasser des hommes et des troupes, et il est sorti du rang, Bokassa, à 18 ans, et il a dit « Je m'engage pour la France libre, pour le général de Gaulle ». Jean-Claude Chusville, journaliste, il a réalisé une interview inédite de Bokassa en 1983. « Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici... » Bokassa servira durant toute la Seconde Guerre mondiale au sein des forces françaises libres. Simple soldat en 1940, il terminera le conflit avec le grade d'adjudant. En 1947, il part se battre en Indochine. À son retour d'Asie, il est envoyé à Fréjus pour suivre une formation d'officier. Bokassa, faut aussi dire une petite chose à son crédit, il a reçu la croix de guerre à titre militaire. Il y a très peu de chefs d'État au monde qui ont reçu la croix de guerre. Ça veut dire que c'est un gars quand même, il s'est fait couturer sur tous les champs de bataille pour le drapeau français. À la fin des années 50, la politique française était de structurer les armées des colonies en vue de leur indépendance. De nombreux sous-officiers ont ainsi accédé au grade supérieur. C'est le cas pour Bokassa, qui deviendra capitaine en 1961. Il est donc resté 23 ans dans l'armée française, au service d'agent. Ce qui explique l'adoration qu'il avait pour l'armée française. C'était sa seconde famille. Il avait deux patries, la Centrafrique et la France, et deux familles, la sienne et l'armée française. Et il a souvent dit d'ailleurs, la France lui a pris ce qu'il avait de plus cher et lui a donné ce qu'il estimait aussi être, on va dire, un peu son équivalent, même si un père et une mère ne se remplacent pas. Mais bon, vous savez, il était soldat, c'était peut-être pas toujours rose, mais il a beaucoup appris, je pense, au sein de l'armée française, auprès des Français. Début des années 60, les pays d'Afrique centrale accèdent tour à tour à l'indépendance. Cette période est marquée par une grande effervescence politique et seule la Centrafrique semble exempte des nombreux troubles et affrontements armés qui touchent la région. En 1962, Jean Bedel Bokassa est transféré de l'armée française à l'armée centrafricaine. Le jeune pays est indépendant depuis 2 ans et dirigé par un cousin de Bokassa, le président David Dacko. Bokassa est à cette époque le seul officier centrafricain. De ce fait, il accède au grade le plus élevé, chef d'état-major, en moins d'un an. Sa première mission, l'organisation de l'armée nationale. Militaire pur et dur, Bokassa n'a pas été acteur de l'indépendance de son pays et porte un regard critique sur le régime politique en place et juge son pays livré au désordre et à la corruption. Fin 1965, Bokassa, aidé par certains officiers, s'empare du pouvoir et Vincent, son cousin David Dacko. C'est le coup d'état de la Saint-Sylvestre, le 31 décembre. Le 1er janvier 1966, Bokassa est le nouveau président du Centrafrique. Son but, remettre de l'ordre dans le pays. Dès sa prise du pouvoir, il met en place un régime dictatorial. Ses premiers décrets viseront à concentrer tous les pouvoirs entre ses mains et très rapidement, il cumulera sur sa personne la plupart des ministères clés. Au niveau politique intérieur, dans un premier temps, certaines mesures rendent Bokassa populaire dans son pays, tels que son plan de réforme agraire et ses projets d'urbanisation de la capitale, Bangui. Bokassa est fasciné par l'image du chef de la France libre. Pourtant, dans un premier temps, le général de Gaulle ne semble pas cautionner la prise du pouvoir de Bokassa, ni sa conception de la gouvernance dans un pays faisant partie du précaré de la France en Afrique.
Il faudra attendre 3 ans à Bokassa pour accéder à la consécration ultime. En 1969, le général de Gaulle le reçoit enfin en visite officielle. Garde républicaine au garde à vous et réception à la Comédie Française, Bokassa jubile. L'ancien adjudant de la France libre devient respectable et son régime est désormais officiellement soutenu par l'ancienne puissance coloniale. C'est vous que nous avons le plaisir de recevoir. Et nous avons des sentiments de grande amitié pour le chef d'État que vous êtes. Dois-je aussi dire l'honneur que je ressens personnellement d'être accueilli aujourd'hui par l'illustre et le prestigieux français qu'est le général de Gaulle. Donc ça, c'était un poème. À lui seul, précisément à cause de l'originalité de ce parcours. Ancien militaire français, devenu chef d'État à la suite d'un coup d'État qu'il avait fomenté contre son propre cousin, David Daco, et devenant, au fil du temps, par sa longévité, sa faconde, sa ruse, une sorte de président outrancier dans la représentation mentale que nous pouvions avoir des nouveaux présidents africains. Jeannie Lorjou, maire de Romorantin-Lanthenay, dans le Loir-et-Cher. Au début des années 80, il était l'un des spécialistes de l'Afrique noire autour du président François Mitterrand. Rien à voir avec des monstres sacrés comme le président Houphouët-Boigny, dont la culture, la finesse et l'intelligence permettaient des relations d'égal à égal. Les intérêts de la France en Afrique sont nombreux. Le général de Gaulle le sait. Afin de garder son influence, il lui faut ménager les nouveaux dirigeants des anciennes colonies, aussi turbulents soient-ils. Et la Centrafrique était une des pièces maîtresses de notre, du système de la présence de la France en Afrique, non seulement à cause de l'implantation de nos bases, très importantes d'un point de vue logistique, mais aussi en raison de l'histoire. Donc la France avait, à ce moment-là, dans ces temps-là, forcément une relation extrêmement privilégiée avec la Centrafrique. Et il faut bien le dire, la Centrafrique était, si vous me permettez l'expression, un peu un morceau de la France. Si la Centrafrique était un morceau de la France, Jean-Bedel Bokassa voulut de son côté posséder son morceau de France. C'est suite à sa visite officielle au général de Gaulle que sa frénésie d'achat immobilier dans l'Hexagone débuta. Bokassa confondant facilement le budget national et son propre portefeuille. On parle de patrimonialisme, et c'en est un des plus flagrants modèles, c'est-à-dire un système où le leader suprême donc, puise dans les ressources de l'État pour... les gérer à titre personnel, voire éventuellement, bien sûr, s'en servir pour acheter des biens en dehors du pays. Nous voici donc devant le château du Grand Chavanon, qui a été construit par un industriel nivernais, le vicomte Dubourg de Beausasse, qui, comme tous ses confrères de la même époque, choisissait la Sologne parce que les terrains ne valaient pas grand-chose. Et pris un peu d'orgueil, il le voulut dans le style Louis XIII-Louis XIV avec un grand plan d'eau faisant miroir comme à Versailles. Après une princesse, ce fut le diocèse de Bourges qui l'acheta pour en faire un petit séminaire. Et après la guerre, le diocèse le vendit à un certain nommé Bokassa. Au début des années 70, Bokassa allait avoir la folie des grandeurs. Monsieur Fontaine, architecte, s'est vu confier le projet de rénovation d'une des plus onéreuses acquisitions de Bokassa en Sologne, le Grand Chavanon, à Neuvy-sur-Barangeon. L'ensemble de la propriété avait été acheté, y compris le petit Chavanon, par un agent immobilier belge. Et il a dû entendre parler que Bokassa voulait un château dans la région et il lui a proposé ce château-là, je ne sais pas à quel prix, mais Bokassa a dit oui tout de suite pour l'achat. Je l'ai donc rencontré dans ce château où j'étais pas tout seul. Il y avait ses ministres qui rampaient à plat ventre devant lui pour recevoir ses instructions et Serge Dassault qui venait avec un petit avion sous le bras
pour présenter ses modèles de façon à obtenir des commandes. Il voulait en faire son ambassade, une sorte d'ambassade, pour être exact, parce que l'ambassade existe à Paris, avec piste d'hélicoptère et grande réception dans ce château qui, étant fait sur l'esprit de Versailles, permettait toutes sortes de grandes réceptions. C'est le souhait de tout chef d'État africain. Ils ont une telle relation filiale avec la France. Donc c'est logique. Monsieur Bongo a de très belles propriétés en France. On n'interroge jamais. Monsieur Mobutu a de très belles propriétés en France. Monsieur Fouette-Boigny, Monsieur Senghor. Tout le monde avait des propriétés en France. Pourquoi pas Bokassa ? Lorsqu'on habite l'un des pays les plus pauvres du monde et que l'on apprend que son dirigeant a acheté des châteaux en France, peu nous importe la concurrence à qui aura le plus beau. Lucie Agbo est centrafricaine. Elle est en exil en France depuis 10 ans maintenant. Mais se souvient de sa réaction le jour où, adolescente, elle découvrit, comme tous ses concitoyens, les possessions de Bokassa. Nous, on écoutait ça, qu'il avait acheté des châteaux. Oh! Au fait, en tout cas, dans ma petite tête de l'époque, c'est ce qu'on voyait dans les livres. Donc c'est vrai, on avait, moi, si je dois parler de moi, je n'avais aucune idée de l'immensité de la chose et de la valeur. Il y a certains journaux qui n'aimaient pas ça, qui en ont parlé. Sinon, on n'aurait pas su. Certaines des propriétés de Bokassa en France lui servirent à expérimenter de nouvelles techniques agricoles dans le but affiché de les importer dans son pays, dans le cadre de sa principale réforme politique, la révolution agraire. Certains agriculteurs de Sologne se souviennent de ses visites et de son intérêt pour les cultures maraîchères. Il était vraiment très curieux des techniques agricoles et je pense qu'il avait le sentiment que le développement de son pays passerait par le progrès dans le domaine agricole. Ça, j'en ai la conviction. Il nous expliquait qu'il avait justement toutes ces régions où il pensait qu'il était possible de développer le maraîchage ou des choses comme ça, je me souviens. Et donc, c'est vrai que nous, étant sur une région de culture spéciale, il était relativement intéressé par les productions qui étaient les nôtres. Monsieur Léger était vendeur de matériel agricole à Romorantin-Lanthenay. Vous voyez, c'est dans cette pièce-là que l'on faisait des essais de matériel afin de faire voir la possibilité des outils qu'on proposait à la vente, quoi. On avait essayé les chariots, on avait essayé les herses rotatives pour emmener là-bas en Centrafrique. C'était dans le but de développer sa révolution agricole qu'il envisageait de faire en Centrafrique. C'était surtout dans ce but-là que tout était fait. Ces cultures sont devenues à zéro parce que ça poussait la chaleur, la mort et l'humidité développaient trop rapidement la pousse des cultures et ça donnait rien du tout parce que les fraises, ils n'ont jamais pu arriver à maturité parce qu'ils poussaient avant. Puis les asperges, ils poussaient à une hauteur importante dans l'espace de 5-6 mois, quoi. Les tracteurs et le matériel peu utilisé en Centrafrique seront rapatriés dans la ferme personnelle de Bokassa à Berango. Hormis ces quelques tentatives de développement agricole avortées, le Centrafrique ne décolle pas économiquement. Le pays a besoin de liquidités et le leader centrafricain s'appuie largement sur les fonds de coopération octroyés par la France. Le nouveau président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, ici en visite officielle à Bangui, soutient ouvertement Bokassa. Les deux hommes se connaissent depuis longtemps. Passionné de chasse, Giscard d'Estaing, alors qu'il n'était pas encore président, venait régulièrement chasser en Centrafrique. Pratiquement une fois par mois, Giscard lui rendait visite. Et puis ensuite, de Berengo, il partait chasser vers Ndéri, vers le nord. Et quand il revenait avec les trophées, il les embarquait et il repartait sans passer par Bangui. Donc il n'y avait que les officiers de la sécurité qui étaient au courant que le président Giscard était ici. À l'accession de Giscard aux plus hautes responsabilités en 1974, les relations entre les deux dirigeants sont au beau fixe.
Bokassa appelant même Giscard d'Estaing « mon cousin ». Les entrevues informelles et privées sont régulières entre les deux hommes, en Centrafrique ou en Sologne. Pourtant, le nouvel occupant de l'Élysée ne devait rien ignorer des abus du régime de son proche parent. Des méthodes que l'Ougandais Amin Dada ou le Zaïrois Mobutu, ici en photo avec Bokassa, n'auraient pas reniées. Considérant le vol comme un acte délictueux, portant gravement atteinte à la dignité nationale, Bokassa décrète en juillet 72 que chaque voleur aura une oreille coupée. Les corps des suppliciés, à demi-morts, sont ensuite exposés en place publique à titre d'exemple. Outre ces cruelles démonstrations d'autorité, le Centrafrique est en proie à une stricte censure. Nombreux sont les coopérants français en place à l'époque dans le pays à s'en souvenir. Nous avons découvert un pays où les gens, effectivement, n'avaient pas de liberté d'expression, aucune liberté d'expression. Nos élèves, il était hors de question de parler du gouvernement, hors de question de parler, bien sûr, de Bokassa. Et là, à ce point de vue-là, c'était une sorte de peur, quand même. Bokassa était bien placé pour le savoir. C'est de l'armée que la menace pouvait venir. Nombreux furent les officiers, suspectés de préparer un coup d'État, à subir une implacable répression. Parfois, on arrivait à détecter les comploteurs. Et ils les arrêtaient, il y avait une poursuite pour éclairer les choses. Parce que les gens même se dénonçaient. C'était des officiers centrafricains qui se trahissaient pour gagner je ne sais quoi. Chacun cherchait à se faire voir par l'empereur. Et après sa chute, effectivement, il y a eu des procès. On a constaté que beaucoup d'officiers manquaient à l'appel. Donc, ils ont été éliminés les uns après les autres dans la prison de Ngaragba. Alors qu'il tient d'une main de fer son pays, Bokassa se comporte en Sologne comme une sorte de souverain bienveillant, allant au contact du peuple, faisant preuve de largesse et dépensant sans compter auprès des commerçants de la capitale sologniote Romorantin. Claude Choplin, à l'époque journaliste local lié à la Nouvelle République, se souvient. Il venait là presque normalement, naturellement, un habitant comme un autre. Alors évidemment, entouré de ses gardes du corps et de toute son équipe de femmes, très belles femmes d'ailleurs, et il passait dans la foule, ça se passait sans incident. Une partie de la population était avec les yeux écarquillés et les autres étaient complètement indifférents et puis ça se passait comme ça. Les commerçants de Romorantin ont tous, ou une grande partie, fait des affaires avec Bokassa. Il a acheté beaucoup de choses. On sait qu'il a acheté, par exemple, toute une série de tracteurs à un concessionnaire romorantinais. Je sais aussi, donc, et là j'étais présent, il a acheté chez un commerçant qui était installé juste en face, à côté de la pharmacie là-bas. Qui faisait de l'électroménager et le jour où je suis passé, moi, je l'ai vu personnellement acheter 6 lave-vaisselle et effectivement le commerçant était tout étonné mais en même temps tout content de ce type d'affaire. J'ai bien reçu votre message du 30 août 1974 concernant le tracteur Stop. Je vous donne mon accord pour la commande ferme du tracteur et de la totalité de l'équipement matériel, dont le prix s'élève à plus de 100 000 francs. Signé Son Excellence Jean-Bedel Bokassa, président à vie, maréchal de la République centrafricaine. Bokassa achète beaucoup en Sologne et passe de nombreuses commandes auprès des revendeurs de la région. Jean Renoir était l'un d'eux. Régulièrement, lorsque j'allais au siège de la société, la comptable me disait « Mais tout ça, c'est bien gentil, votre président, je l'aime bien, mais il faut quand même qu'il règle ses factures. » Le paiement de la facture tardant, Jean Renoir réussit à obtenir une audience privée avec le président centrafricain. Cette visite lui laissera un souvenir impérissable. Je me souviens, si vous voulez, c'est que de voir des personnes avec des armes, des militaires, ça se conçoit, mais de voir des gardes en chemise rouge, pantalon blanc, qui arrivaient de Bangui, qui n'ont pas eu le temps, si vous voulez, de se changer alors qu'on était au mois de novembre, qui tremblaient de froid, les mitraillettes tremblaient aussi.
Je vais vous dire que je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui. Alors, j'ai demandé d'être reçu par le Premier ministre qui était en place à l'époque. Et 10 minutes après, j'étais en face le président Bokassa, qui m'a reçu avec beaucoup de courtoisie, je dois dire. On a parlé 10 minutes et il m'a dit, écoutez, vous inquiétez pas, je prends contact avec mon notaire à Paris et vous serez réglé dans la semaine suivante. Le rendez-vous a lieu dans un hôtel de Romorantin avec l'un des fils de Bokassa et son notaire. Pour M. Renoir, la forme que prit la transaction n'était pas conventionnelle. Il a ouvert la valise en me disant, voilà, on vous doit telle somme. Je crois qu'en euros, ça ferait autour de 40 000 euros, quelque chose comme ça. Mais je peux vous dire une chose aussi, c'est que dans la valise était pleine et il y avait encore de l'argent à l'intérieur. Je pense qu'à l'époque, c'était des billets de 500 francs, donc c'était quand même plus facile. Mais des billets neufs qui arrivaient de je ne sais où. Mais j'ai eu grand plaisir à dire à mon PDG, écoutez, voilà, c'est OK, j'ai l'argent, maintenant je ne sais plus quoi en faire. C'était un samedi, donc j'ai gardé l'argent avec moi tout le week-end. Et le lundi matin, la première heure, je l'ai emmené à Blois, au siège de la société. Ce qu'on savait, c'est qu'à chaque fois qu'il venait en France, il allait faire un tour à Paris. Et donc il rencontrait d'ailleurs officiellement le président de la République, Giscard d'Estaing, et il revenait immédiatement en Sologne, et là il se mettait effectivement à dépenser de l'argent de façon assez impressionnante. Et donc nombreux sont ceux qui ont fait de très bonnes affaires avec Bokassa en Sologne, c'est manifeste. Il a aussi fait travailler beaucoup d'artisans et d'entreprises diverses pour la restauration de ces différentes propriétés en Sologne. Et les commerçants et les artisans étaient effectivement rois à Romorantin. Et à partir du moment où ces gens-là vivaient bien grâce à Bokassa, ou en tous les cas tiraient une partie de leur subside de Bokassa, ben, Bokassa était le roi, hein, c'est évident. Un jour, le président Bokassa nous a envoyé à la rédaction de la Nouvelle République un communiqué. C'était en fait pour dénoncer des achats qui avaient été faits au nom de Bokassa dans la région de Romorantin, mais des achats qui apparemment n'étaient pas justifiés. Et le président a tenu à avertir tous les commerçants et à les mettre en garde contre les agissements des escrocs de ce type-là. De nombreuses entreprises de la région ont cherché à faire des affaires avec le chef d'État centrafricain et Bokassa a été très souvent sollicité pour visiter les usines en compagnie de sa cour. C'est dans ce paquet-là. Monsieur Châtel travaillait à l'époque pour une grande société de fabrication de pompes hydrauliques basée à Châteauroux. Non, c'est celle-là qu'on faut que je mange. Cette visite a eu lieu le jeudi 12 octobre 1978. C'est ce groupe de visite et c'est moi qui prenais les photographies, entre autres, et qui organisait ensuite le pot à l'issue de la visite. Pendant le pot, nos commerciaux ont réussi à lui vendre un certain nombre de matériel et ensuite a été mis à l'étude un projet d'une centrale solaire, une centrale à l'énergie photovoltaïque pour Bangui. Il a acheté aussi quelques groupes, ce que j'appellerais de relevage d'eau agricole. Il nous a dit que c'était pour l'endroit où il élevait les crocodiles, à côté c'est de Bangui, à la cour impériale de Berango. D'ailleurs c'est à ce moment-là qu'il s'est tourné vers un de ses ministres. Il a dit d'ailleurs, dans le marigot au crocodile, c'est là que vous finirez, messieurs, si vous ne m'êtes pas fidèle. J'avais fait venir deux stagiaires qui sont venus faire un petit extra. L'empereur a voulu les remercier par une petite pièce, c'est ce qu'il m'a dit à l'époque-là. Il a appelé, c'est son ministre des Finances, qui est venu avec son attaché-case, toujours attaché à son poignet par les menottes. Là, l'empereur a sorti la clé de sa poche, il a ouvert l'attaché-case, et là, il était bourré de liasses de 500, pas euros, de 500 francs de l'époque, de liasses toutes neuves. Ça sortait de la Banque de France.
Ça, je l'ai su par un membre, c'est de sa suite. Alors donc, il a pris deux billets, 7500, il l'a remis comme petite pièce aux deux stagiaires de l'impolychermique qui ont d'ailleurs s'est failli, se trouvaient mal. C'était ce genre d'anecdote qui avait montré à Romorantin un personnage humain, sympathique entre guillemets, généreux évidemment, et tout ça contribuait à lui forger une bonne image. Et c'est pour cette raison qu'à Romorantin, apparemment, on évitait d'être critique, on ne se voulait pas critique vis-à-vis de ce personnage, et on ne cherchait pas trop à savoir ce qui se passait réellement en Centrafrique. La Centrafrique dépend de l'exploitation de ses forêts et de l'extraction des diamants et d'uranium par des entreprises étrangères. Mais ses activités ne profitent pas au pays, si ce n'est à son dirigeant, qui touche régulièrement des cadeaux, facilitant la cession des concessions aux généreuses multinationales. Largement endettée, la Centrafrique vit grâce aux aides extérieures, majoritairement celles de la France, qui verse chaque année 120 millions de francs. Est-ce avec une partie de cet argent public, censé servir à la rémunération des fonctionnaires, que Bokassa continue de mener grand train en Sologne ? Il séjourne quelques semaines dans l'année dans ses propriétés solognotes. Tel un monarque des temps jadis, le leader centrafricain ne se déplaçait jamais sans sa suite de 40 personnes. Mais tous ne pouvaient occuper une chambre au domaine. Aussi, de nombreux membres de la suite logeaient où ils pouvaient. Bernard Gâteau était aussi le gardien du domaine de Bel Air. Il y en a beaucoup qui logeaient à l'extérieur. Tout, comme son médecin, les ambassadeurs, tout ça, c'était extérieur, tout ça extérieur. Tous ceux qui avaient de l'argent, bon, ils allaient en dehors. Mais ceux qui n'avaient pas l'argent, bon, ben, ils couchaient là. Puis avant, les gardes, bon, ben, ça, c'était autre chose. Eux, ils étaient constamment là. Puis alors, ils n'étaient pas prévenus 2 heures avant quand tu voulais partir. Hein. On part et ça a été. Yep, tout le monde en route. Tout le monde en route. Même en pleine nuit? Ah, n'importe, jour et nuit. Jour et nuit, ça n'a pas d'importance. Aucune, il n'y a pas d'heure. Sitôt qu'il est arrivé, les motards étaient prévenus, alors ils étaient escortés jusque-là. Voilà. C'était quoi la garde républicaine? Bah oui. Ah oui. Comme un chef d'État, quoi, c'était un pareil. Ministre. Pareil, ouais. C'est un empereur, hein. Ah, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire, car d'un côté, nous avions le président de la République, puis plus tard l'empereur. Et en même temps, lorsqu'on le voyait défiler avec sa théorie de voiture et de sa garde personnelle, tous ceux qui l'entouraient, comme on dit en Sologne d'une expression basique, ça faisait carnaval. Monsieur Boursin, policier à la retraite, était en poste à Bourges à cette époque. Il se souvient de la visite de Bokassa. Il s'est présenté empereur Bokassa. Alors moi, assis, je me suis levé et puis je lui ai dit mes respects. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne peux rien faire de plus. Puis alors, à partir de ce moment-là, il m'a demandé une escorte. Mais moi, comme je n'étais pas prévenu ni par le service de police ni par la préfecture, j'ignorais totalement mais ce qu'il voulait, c'est une escorte malgré tout. Moi, je n'ai pas pu lui fournir, j'avais pas d'effectif, j'avais rien du tout. Alors là, il m'a passé une brangelade pour assurer une escorte. Alors, on n'était pas venu, ça ne tombait pas du ciel. Vous comprenez ? L'ordre. Il était très en colère ? Ah oui, très en colère. Et puis alors, c'est surtout son départ qui était impressionnant, parce qu'il m'a dit, monsieur, il dit, vous aurez des nouvelles de ma part. Oui, comme ça, exactement. Point d'orgue d'un régime basculant dans la folie, le 4 décembre 1977, Bokassa s'autoproclame empereur au cours d'une cérémonie ubuesque. Vêtu d'une copie de l'uniforme que portait le maréchal Ney lors du sacre de Napoléon Ier, Bokassa, assis aux côtés de sa femme promue pour l'occasion impératrice Catherine, arbore fièrement sa couronne et son sceptre, couverts de diamants, devant un parterre de 5000 invités. Jacques Guilbeault, coopérant français en Centrafrique à la fin des années 70, était ce jour-là dans l'assistance. Comment les représentants de tous ces pays ont accepté de jouer cette comédie? Quand on a vu tous les,
On le voit bien sur les photos, hein, les uniformes, les chevaux, tout le faste qu'il y a eu par rapport au dénuement de la plupart des habitants du pays, ça paraît scandaleux, quoi. Il n'y avait aucune ferveur populaire là-dessus. Elle était toute celle qu'on a plus ou moins vue, c'était forcé, c'était une obligation, hein, de participer au défilé, de participer aux fêtes, etc. qu'il y a eu. Je me dis combien les gens devaient être surpris et étonnés de voir tout ce luxe, qui n'avait vraiment rien en plus d'africain, qui ne correspondait à aucune tradition, à aucune cérémonie traditionnelle, qui était vraiment totalement un fait européen. Le choc, ça a été premièrement, en plein XXe siècle, de revenir finalement à l'Empire ou à la royauté. Et le deuxième aspect qui a été peut-être assez choquant pour l'opinion nationale et peut-être internationale, ça a été cette assimilation à Napoléon. Donc ça a été un sacre très à l'occidental. C'est nous qui avons encouragé ça, qui l'avons laissé faire. C'est nous qui avons envoyé quand même la garde républicaine là-bas, l'orchestre de la garde républicaine. On a envoyé des chevaux là-bas, des chevaux qui ont été abattus après la cérémonie, parce que ça valait pas le coup de les ramener en France. En effet, la France, bien que rétive à l'annonce du projet, allait finalement céder et participer en grande partie à financer et organiser la cérémonie. Principale raison évoquée, la constitution impériale limiterait les pouvoirs du nouvel empereur, laissant la direction du pays à un premier ministre. Saint de sa nouvelle couronne, Bokassa Ier n'a pourtant pas l'intention de se laisser enfermer dans une cage dorée. Il ambitionne de moderniser son nouvel empire et pour ce faire, réclame de plus en plus d'argent à la France. Ulcéré par l'épreuve de la gabegie financière de Bokassa, l'ancienne puissance coloniale ne veut plus suivre et réduit ses aides. Les relations entre les deux parties se compliquent, d'autant plus que Bokassa a entamé depuis quelques années un rapprochement avec le leader libyen Muammar Kadhafi. La Libye est ici, et entre la Libye et le Centrafrique, il existe le Tchad. Donc il a commencé à se dire, le général Kadhafi, peut-être que si c'est moi qui deviens le souteneur du Centrafrique, ça sera très facile de s'emparer du Tchad qui est entre les deux pays. Le Tchad étant soutenu par la France, à Paris, on grince des dents. Giscard d'Estaing va bientôt couper tout contact avec son ancien ami, qui semble désormais avoir dépassé les bornes. Une série d'événements va marquer l'année 79 et entraîner la chute de Bokassa. En janvier, les lycéens et étudiants descendent dans la rue pour s'opposer à une nouvelle mesure de Bokassa, imposant le port d'uniforme aux élèves. Nous, élèves, on s'est dit, mais pourquoi nos parents ils n'ont pas d'argent pour nous acheter les tenues? Et comment voulez-vous qu'on soit en uniforme à ce moment-là? Et rien que pour ça, on s'est dit, non, pas de tenues et les salaires pour nos parents. Les manifestations seront très durement réprimées. Un rapport d'Amnesty International fait état de nombreux morts et blessés parmi les élèves. Une commission d'enquête internationale conclura à la participation directe de Bokassa dans la répression. L'opinion internationale est en émoi, la France saisit la balle au bon. Dans la nuit du 20 septembre 1979, alors que Bokassa Ier se trouve en Libye, le service de contre-espionnage français lance sur autorisation du président Giscard d'Estaing l'opération Barracuda. Des membres des forces spéciales neutralisent l'aéroport et donnent le feu vert pour l'arrivée de renforts en provenance du Tchad. La prise de Bangui se fait sans résistance. Le lendemain, David Dacko, l'ancien président, arrivé dans la nuit avec les troupes françaises, reprend le pouvoir et annonce officiellement la chute de l'Empire centrafricain et proclame la République. Dans les rues, la population laisse éclater sa joie en détruisant les représentations de l'empereur déchu. L'opération Barracuda doit se comprendre dans le contexte de l'époque. On est en 1979, on n'est pas en 2000 ou en 2008. C'est une époque où la France se reconnaît un devoir
d'intervention dans les affaires de certains de ses partenaires africains, surtout ceux qui présentent un intérêt stratégique. Hein. Il fallait mettre fin absolument à la dérive folle d'un pouvoir qui n'était plus que, qui ne se résumait plus que aux foucades de Jean-Bedel Bokassa et de son entourage, et aux instincts de prédation qui se faisaient jour autour de lui. Alors, la modalité, eh bien, oui, il y a eu... Oui, le service action de nos services spéciaux sont intervenus. Ils l'ont fait à la demande des autorités politiques. Ils ont eu raison. Ils ont fait leur devoir et ils l'ont bien fait. C'est le seul chef d'État au monde qui a été enlevé et emprisonné par un autre chef d'État sans jugement aucun. Ça veut dire qu'un jour, les relations entre lui et M. Giscard d'Estaing se sont envenimées, pas spécialement avec la France, hein, c'était plus un problème personnel, j'allais dire, entre eux. Et donc, la décision a été prise de le faire tomber. Donc, on a prétexté un voyage qu'il faisait en Libye pour y rencontrer notre ami Kadhafi, pour détourner son avion, l'envoyer à Évreux, le maintenir là quelque temps, puis ensuite le trimballer de prison dorée ou pas dorée pendant des années, sans aucun jugement. Bokassa, exilé en Côte d'Ivoire, n'aura de cesse d'accuser Giscard d'Estaing. L'affaire des diamants, révélée par Le Canard enchaîné, sera son arme. En 12 ans, tous les diamants que je lui ai donnés, il a déclaré qu'il les a vendus et il n'a eu que 2 millions de francs CFA. 2 millions de francs CFA qu'il a envoyés à la Croix-Rouge centrafricaine. Et la présidente de la Croix-Rouge centrafricaine a bien fait une déclaration en disant qu'elle n'a jamais reçu un franc de Giscard. Si on en termine avec cette question, votre silence, absolument, c'était ni de l'embarras, ni de l'indifférence, non, ni du mépris. C'était quelque chose qui tenait aussi, permettez de vous le dire, à mon caractère et à l'idée que j'ai de ma fonction, et qui est qu'il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison. Largement relayée dans la presse et utilisée durant la campagne électorale, l'affaire pèsera certainement dans la défaite de Giscard face à Mitterrand en 1981. Bokassa, l'empereur déchu, tenait sa vengeance. La chute de Bokassa eut un écho en Sologne. Très vite, les propriétés furent laissées à l'abandon. Monsieur Fontaine se souvient. Eh bien, voici la pièce où j'ai rencontré les gardes de Bokassa. Il les avait envoyés pour garder le château quand il n'était pas là. Hein, comme équipement, ils étaient plutôt habillés un peu avec des haillons. Ils se faisaient du feu dans cette cheminée. Ils faisaient également leurs popotes, petites gamelles militaires et ces choses-là pour prendre leur repas du midi, du soir. Il faut rappeler que c'était plein hiver, qui gelait, et que les pauvres, ils avaient guère que ce moyen de chauffage. Nous n'en avions pas du tout et on venait de temps en temps se réchauffer un peu les doigts parce que dans le château, il faisait pas chaud. Hein. Quand Bokassa a été destitué, j'ai l'impression que le gouvernement de Centrafrique oubliait qu'ils avaient des soldats dans le château et qu'ils ont dû être rapatriés un peu plus tard. Mais enfin, en vivant à la bonne volonté de la mairie de Neuvy et des gens de Neuvy. Romorantin, on faisait parler d'elle, la ville faisait parler d'elle grâce à Bokassa, et du jour au lendemain, c'était où on ne parlait plus de Romorantin, ou alors on disait, oui, c'est la ville qui accueille le dictateur ou l'empereur facétieux. Et effectivement, quelque part, l'image de Romorantin a probablement souffert, ça c'est manifeste. Soit par citation, soit par ordonnance de renvoi, cette juridiction reste. En 1986, Jean-Bedel Bokassa parvient à rentrer en Centrafrique, mais à sa descente de l'avion, il est arrêté et conduit en prison. Attendu que par application de l'ordonnance portant amnistie,
L'action publique est éteinte. Le 12 juin 1987, après 6 mois de procès, le verdict tombe. Le tribunal condamne Jean-Béder Bokassa à la peine de mort, à 6 millions de francs d'amende, à la confiscation de ses biens jusqu'à concurrence. Si Bokassa il avait des soupçons de cannibalisme qui pesèrent sur lui à sa chute, la peine de mort est confirmée pour d'autres charges. Au début des années 90, la justice ordonna la liquidation de tous les biens soloniaux de l'empereur déchu. André Dubé, huissier de justice, a suivi l'affaire. Après, il y a eu la déchéance, hein, on va appeler ça comme ça. Et donc, quand ça a été mal, ben, ça a été aussi mal financièrement, puisque les dettes se sont accumulées, il y a eu des gardiens qui n'ont pas été réglés, il y a eu les charges inhérentes au salaire qui n'étaient pas payées, et à ce titre, j'ai été chargé de recouvrer toutes ces sommes-là. Ça ne me dérange pas, c'est la directive du CIS. Voilà. Ça, c'était la chambre de l'empereur. Tout ça, c'était quand même que sa chambre. Hein. C'était petit, un peu. Hein, c'est hein. La salle de bain de l'empereur. Donc le marbre. Hein. C'est... Par contre, les robinetteries, c'était pas cela. Hein. Non, c'était pas ça. Ça a été volé, en fait. Quand vous sombrez, en principe, on vous donne un coup de main. Ça n'a pas bougé. Hein. C'était comme ça. Ces immeubles ont été mis en vente devant le tribunal de grande instance de Blois. L'adjudication a été réalisée et le 4 juillet, toutes les propriétés ont été vendues. J'y suis allé comme beaucoup en qualité de spectateur et la salle d'audience était pleine. Il y avait des caméras de télévision, je pense que toutes les télés étaient là pour se faire l'écho de cette vente un petit peu exceptionnelle. Les gens aiment bien un petit peu assister à la curée. Et donc, ça en a été une, mais ça a été une curée assez sympathique puisque le produit de la vente a somme toute permis de régler le créancier à qui M. Bokassa devait de l'argent. Donc, avec des plus-values quand même assez intéressantes. Ça a été la fin de règne de Bokassa en Sologne. La peine de Bokassa est d'abord commuée en prison à vie en février 1988, puis en 10 ans de réclusion. En 1993, il est amnistié par le président Kolimba et meurt en 1996 d'un arrêt cardiaque. Jean-Bedel Bokassa a été inhumé dans son ancien palais de Berengo. Aujourd'hui, hormis quelques coupures de presse et les souvenirs des Soloniaux ayant connu cette période, il ne reste aucune trace du passage de Bokassa dans la région. Le domaine de Bel Air a été acquis par des particuliers, la côte ancière, transformée en chambre d'hôte, le Grand Chavanon, après avoir été la propriété d'un responsable du Front National, a été racheté par un couple d'Australiens qui compte ouvrir des salles de réception. Le château de Villemorant héberge désormais une pépinière d'entreprise. Seul le restaurant Le Montaugé est à l'abandon. Le restaurant a eu des difficultés, pratiquement simultanément aux difficultés à l'effondrement de cet empire Bokassa. Et très vite, et c'est ce qui est un peu particulier, le restaurant a été abandonné, complètement abandonné, après avoir été occupé pendant quand même quelques mois, voire peut-être un peu plus d'un an, par quelques-uns des proches de Bokassa. Le bâtiment a été ensuite abandonné au bout d'un an ou deux et complètement déserté et très vite désaffecté et il a été pillé et en 2 ans tout a disparu pour redevenir cette ruine que vous avez là. Comme un symbole de la chute du dictateur, l'auberge a subi un destin comparable à celui de son ancien propriétaire. Enfant de la brousse devenu tyran mégalomane et vénérable propriétaire terrien, au crépuscule de sa vie, modeste vieillard à qui il ne resta rien.